s'appelle comme ça. Elle est pas magnifique, ma fille? Elle est magnifique. Beautiful. Mais là, il m'embête, il veut jouer avec moi, mais moi je veux pas. Ah, le petit chiot. Il monte là-dessus, ce petit. Quand on est arrivé il y a deux semaines, il dormait. Ah, oui, il a grandi. On est sur une petite île, Happy Island. Magnifique, on arrive pile poil pour le coucher du soleil. Il y a du monde. Et Sea Pearl se trouve là-bas. Allez, c'est le premier cours de Vincent. Kate. Le spot rêvé ici à Union. Alors Union. C'est plus dur que ça paraît. C'est plus dur que ça paraît. Oui. Hein? Oui. T'as pas décollé une seule fois? Non. Oh, est-ce que ça t'a plu? Oui. C'est génial? Oui. Génial? Oui. Ouais, tu peux dire merci à mamie, hein? L'essentiel, c'est que ça t'a plu. Alors, est-ce que tu vas persister? Est-ce que tu vas persister? Oui. Ça coûte cher, Laurent. Ah, ça coûte cher. Mais parce que là, tu as eu un cours particulier. Vraiment avec le moniteur direct. Il va falloir faire en groupe. Ça sera moins cher. Qu'est-ce qu'on fait, Vincent, là? Bah là, tu es en train de faire les coutures. Pour nous protéger du soleil. Oui, voilà, pour nous protéger du soleil. Parce que nous, dehors. À la saison dernière, nous avions fait quoi? Que l'extérieur. Voilà. On n'a pas fait l'avant. Bord et pas le devant. C'est ça? Oui. Et qu'est-ce qu'on est en train. Comme on est bloqué à Union encore, à cause du vent, on part demain. La météo va être nettement mieux. On devrait même naviguer sous Jenneck. Donc il me tarde de le ressortir. Mais en attendant, on finit de coudre. Et je me suis souvenu d'un conseil d'Elisabeth. Notre amie. Hein, ouais, notre amie, notre voisine. Concernant l'origami, c'est ça ce que tu avais dit? Pour être sûr de bien couper, parce qu'on a un côté qui faisait 57,5 et l'autre côté 56. Et comme c'est 2,29 m de long, ben, je m'étais souvenu ce qu'elle m'avait dit. c'était bien, c'était bon. On avait pu bien le faire. Et donc là, on fignole, c'est-à-dire qu'on met les arêtes, du moins les bandes, justement pour pas que ça s'effiloche, etc. Donc c'est du PVC, hein, tout simplement, ça laisse passer l'air, ça laisse passer la lumière, mais pas de trou non plus. Et avec la Toshiba, ça marche nickel chrome. Il faut y aller.
aller très doucement. Voilà. Allez, on le met. Et d'un. Tu. Voilà. En hauteur. Là, il faut voir. Non, on le met. Là, on peut pas être sur le silicone. Il faut être. Et voilà, c'est fait. Il y en a un qui est posé. Maintenant il manque le deuxième côté. Alors comment ça? Ça pète la forme. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant de savoir. Et sinon voilà, on se trouve à ce côté du soleil. C'est comme pour les hublots aussi pour les pointes avant. J'ai acheté ça sur AliExpress. C'est des trucs de caravane. Et c'est vrai que ça reflète super bien la chaleur à l'intérieur. Sur les deux pointes, tribord, bas bord. Satisfait Vincent? C'est beau hein. C'est beau bon. Mais il m'a bien aidé Vincent. Voilà, allez, plus que le dernier. Et voilà, les amis. La protection solaire des hublots est terminée. Donc tribord. Que ça en jette sérieux. Ah, là se trouve, il faut vraiment les deviner. Ici se trouvent les fenêtres, les hublots pour faire rentrer de l'air. Je suis plus que satisfait du travail. Je suis vraiment content. Et grâce à Manuño qui m'a aidé. Allez, mais. Mais tu comptes pas avec toi découper pour faire la fenêtre. Lundi 29 janvier, on vient de quitter Union à 8h30. Il est 10h. Nous avons mis les deux canalos. Et on est sous GV et Jennecker. Super, on est à 10 nœuds de vent et on file à peu près à 10 à 6 nœuds. 5 nœuds 5, 6 nœuds. Là c'est les Tobago Cay. Elle est extraordinaire cette voile. Je l'adore. Et on est à 90 degrés du vent. Les pneus sont super, bien à l'horizontale, et on file, il manque plus que les dauphins. Mais aujourd'hui, mercredi 31 janvier, mais nous avons mouillé cette nuit au marin où il y avait, c'était un lac. Ah oui, il n'y a pas une ride. Pas une ride. On a dormi comme deux gros bébés. Donc là, nous nous apprêtons à partir à. On est parti quoi, il y a trois quarts d'heure. On s'apprête à aller à Saint-Pierre pour la nuit. On va prendre une bouée parce qu'apparemment c'est obligatoire désormais. Ils ont mis des. La municipalité a mis des bouées. Donc on va prendre une bouée pour aller demain. En Dominique, ouais, Dominique, où nous allons dormir au nord de la Dominique pour rejoindre Bas du Fort pour qu'on soit mercredi en début d'après-midi à Bas du Fort à la marina où nous allons récupérer notre nouveau moteur. Il nous tape parce que désormais, ça y est, nous l'avons vendu hier. On n'a plus de véhicule, sachant qu'une annexe, c'est notre voiture.
Donc on peut considérer qu'on n'a plus de voiture à bord de Spurl. Donc il nous tarde, il fait beau, il n'y a pas un vent. J'aurais pensé mettre le Jennaker, mais il y a 3 nœuds de vent apparent, donc rien. On est à 1500 tours minute pour les moteurs. Et nous devrions arriver à Saint-Pierre vers les coups de 15h. Voilà le petit topo hebdomadaire. Tu veux rajouter quelque chose? Non, t'as tout dit. J'ai tout dit. Alors le topo était complet. Ah ouais, ça, on nous l'a jamais fait. Du moins, moi, je l'ai jamais vu. Une voiture qui est en train de couler. Et le maître de port qui vient. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? La voiture est flotte. Ça vient à peine de se produire. Incroyable, on est au mouillage là. Sur Bouée à Saint-Pierre. Oh là là, j'espère qu'il n'y a personne dedans. Le moteur là, il se bat. Attends, regarde. Eh ben, ça, je pense bien avec l'eau de mer. Le maître de port le pousse. Contre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un grand boom. Ah bon? Ah ouais, j'ai entendu un boom et. Ouais, il a dû passer par-dessus. Je pense qu'au lieu de faire une marche arrière, ils sont marche avant. Il est passé au-dessus et ça a tapé là en dessous. Mais à 10 mètres! Waouh, le spectacle! Waouh! Super! Waouh, il y en a combien? Il y en a au moins. Il y en a 3? Ouais. Non, là, je crois qu'il y en a 3. Waouh! Vous avez vu ça, les enfants? Les premières baleines! Incroyable! En surface! Elle nage en surface! Super! Oh, vous avez vu ça, les enfants? Ah, c'est trop bien! Hein? Elles étaient juste là. Juste là. On les a vues sortir juste là. Mais nous arrivons bientôt dans une heure à Portsmouth, au nord de la Dominique. Il nous tarde parce que ça fait quand même 9 heures de navigation au moteur. Mais vous allez comprendre pourquoi 9 heures de moteur. J'ai rarement vu l'océan. À l'occurrence l'Atlantique, aussi calme, d'un plat incroyable. Nous longeons la Dominique, mais alors là, je pense qu'on va avoir un superbe coucher de soleil. Devrait derrière la montagne se trouve Portsmouth. Mais il nous tarde. Kiki a fait la préparation pour faire des crêpes à la bretonne. On va se régaler ce soir. On n'a pas vu de dauphin aujourd'hui, mais comme tu as pu le voir tout à l'heure, on a vu 3 magnifiques baleineaux. C'était vraiment magique. On a eu vraiment le souffle coupé en voyant ça. On s'y attendait vraiment pas. Belle surprise de la nature. Mais nous quittons au petit matin Portsmouth, toujours en Dominique, et un magnifique demât sorti des derniers âges. On se croirait dans Pirates des Caraïbes. Magnifique. Il y en a un deuxième, un trois mâts. C'est pas beau ça? Ils sont pas tranquilles là les enfants là? Hein? Voilà, ben direction Guadeloupe, enfin. On va se reposer, on va être à la marina Bas du Fort pendant 2 jours. Ça va nous faire du bien. On va rincer le bateau et on va aussi bien se rincer nous aussi.
Tu crois qu'on en a une, Océane? Ouais. Toi qui avais dit qu'on en aurait pas là? Bah ça tire plus que tout à l'heure. Ça tire plus et je crois avoir vu un reflet. Ah, c'est sportif, hein? Ça sera sa première dorade. Si c'est une dorade. Ah ouh! Oui! Oui, tu l'as vu! Tu l'as vu? Wanyunyu! Wanyunyu! Allez, allez les filles, préparez tout. De l'autre côté. Allez, binaire. T'inquiète. Allez, viens là. Allez, il ne veut pas sortir. Heureusement que c'est pas un espadon, hein. Notre premier poisson pour 2024. Ah non, je pense pas que c'est un barracuda. Ouais, non. C'est pas un barracuda? Non, on va pouvoir le manger. Allez, tu... Ouais. Allez, tu fais du surf. C'est sûr. Allez, c'est pour ses 12 ans là. C'est un beau cadeau ça pour ses 12 ans. Allez. Au moins ce sera ton dernier ski nautique. Waouh, il est beau, hein. Ah non, c'est pas un maracuda. Ouh, c'est un bon. Je sais pas ce que c'est l'espèce, on va le regarder ce temps-là. Oh, il a décroché. Oh, le salon. Oh, le salon. Oh, il a décroché. Oh mon gnou-gnou. Tout cet effort pour rien. Oh. Ah non. Non. Oh le dégoût. Oh. Ouais, il aurait pu rester, il va mourir dans tous les cas. Mais non, pourquoi veux-tu qu'il meure? Et il a la bouche en feu. Ah. Peut-être ça. Allez, tu peux relâcher. Tu peux remettre la canne à l'eau. Oh, quel dommage, il était à 5 mètres. Voilà, on le voit l'heure là. Il était à 5 mètres. Quelle déception. Ah bah, ça te fait plaisir. Au revoir. Là, on les voit tous sortir. Vous voyez que je vous dis qu'il faut être attentif. Et tu l'as mis où le... Non, tu l'as mis en sécurité, hein. Ah non, c'est pas nos autres, moi je suis un dauphin quand même. Il y en a plein. Regarde, Océane. Le spectacle du matin en quittant la Dominique. Et ça, elle se colle au carrément. Il y a toute une famille. Vincent. Alors Océane, qu'est-ce que ça te fait de voir tes premiers dauphins ici?
qu'on aurait attrapé du poisson. Oui, on a attrapé un poisson. Oui, on a attrapé un poisson. Voyons, voyons. Oui, c'est un poisson, j'ai vu. Ça, y a tu l'as vu? Oui, il y a des reflets, on le voit. Allez, viens là. Ne tire pas comme... Ne fais pas la même erreur, Vincent. On le voit, on le voit, on le voit. On voit le reflet. Ouais. Kiki, poisson en vue. Et peut-être une dorade coryphène, en espérant. Non. Ah oui, on le voit. Alors Kiki, le crochet. Je sais. C'est un petit, un tout petit. Ah mince alors. Ah non, il est tout petit. Peut-être. Ça va, un soudain peut-être. Ah non, c'est pas mal, un soudain. Oh, le premier pinceau de gnou-gnou. Oh, le premier. Oh. Oh non. Oh, oh non. Oh. Oh, la déception. Oh, oh la déception. Vincent, c'est la dernière fois! Le poissard! Oh le Pierre-Richard, mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin? Il est parti! Ça fait deux fois la plaie, mais comment il est parti? T'as pas l'art et la manière, mon cher! Il devait pas être accroché! Il devait pas bien être accroché! Bon. Ça sera encore pour une prochaine fois. Alors aujourd'hui, lundi 5 février, nous sommes bloqués pour deux jours suite à une dépression qui se trouve au sud du Texas. Donc ça aspire. Donc on a 35 nœuds de vent au sud de la Guadeloupe. Donc nous sommes sortis de la place de Marina où nous étions depuis deux jours et on est juste à l'avant-port et on a eu la belle surprise, on va aller voir cet après-midi World Tour Aventure, c'est canadien, franco-canadien, on va aller les voir cet après-midi, sans doute qu'on va aller à terre se balader ensemble. Et donc les enfants et Kiki fait la maîtresse d'école, Vincent est sur le livre scolaire, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Tu fais quoi là? Histoire. Qu'est-ce que tu as comme matière sur le livre scolaire? Bah, j'ai toutes les matières. Sauf qu'on a pris les maths. Ah oui, les maths, j'ai appris directement l'école. Directement le livre de l'école? Non. Donc c'est de la sixième à la terminale. Donc il ne commence qu'à partir de la sixième. Donc il y a quoi? Français, ouais. Histoire, géo. Il y a français, enseignement scientifique, espagnol, français, histoire... Oui, d'accord, mais ça c'est à partir de la troisième. Mais toi, ce que tu fais? Moi, je fais juste français, histoire. Parce que les autres, histoire, géo. Les autres, c'est à partir de la cinquième. À partir de la cinquième? Où ça commence à devenir encore... Il y a des matières qui se rajoutent? Du moins, c'est surtout les sciences, déjà, je ne peux pas les faire, c'est à partir de la cinquième. L'espagnol, ouais. C'est à partir de la cinquième. Okay. Mais bon, c'est déjà pas mal à faire. Parce que voilà, ils ont établi, c'est Kiki qui a établi le planning. Donc ça, c'est le planning d'Océane. Voilà. Et ça, c'est le planning de Vincent. Donc c'est tous les matins. Faut oublier, c'est moi qui l'ai fait. Celui-là, c'est toi qui l'as fait. Ça, c'est pour l'anglais pour Océane. Bon, et vous allez me dire, et moi, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il s'avère que Vincent est autonome, il travaille en totale autonomie. Quand il a besoin de quelques questions, je suis là pour l'aider, bien sûr. Après, il y a Google qui aide bien, ça il faut le dire. Et moi, qu'est-ce que je fais donc? Eh bien, je bricole et j'améliore encore et encore Seapearl. Donc, j'ai démonté ce matin ceci là, ce qui permet le plafonnier. Donc c'est où il y a un LED, etc. Et qu'est-ce que j'ai entrepris? J'ai amené de la métropole des nouveaux taquets, les Ward, qui sont nettement mieux. Ah, ça coûte un bras.
Il y en a pour pas loin de 600 euros pour les deux en double. Mais la grosse particularité, c'est que il ne mâche pas les drisses. Parce que je vais vous montrer. Donc j'ai pris du diamètre jusqu'à diamètre 12 et 14. Pourquoi? Parce que quand j'essayais de mettre le Genec sous tension, etc., ça me bouffe. J'avais constaté que, alors là, comme là, bien sûr, ça va pas se voir, mais ça me bouffe les drisses. Bon, la particularité de cela, c'est que ça ne fait pas une sorte de mâchoire bloquante, mais ça écrase la drisse. Non seulement on peut la récupérer, mais ça fait une sorte de petit serpent, la drisse, qui la bloque. Et il n'y a pas de mâchoire agressive sur la drisse, donc que ce soit la drisse de GV, toutes les drisses, hein, ensemble. Voilà, on vient de faire tomber. Là, ça va donner un petit coup de main. On fait tomber les deux. Voilà. Sans trop de mal. Voilà. Bon, ben on va nettoyer tout ça. Et on va installer les autres. Nickel. Je sais pas si on arrive bien à comprendre le mécanisme, mais c'est la drisse passe là-dedans, dans plusieurs. Et quand on le referme, elle s'écrase. Et non pas comme cela, où c'est cranté, les spin lock. Et à force, quand il y a de fortes tensions, et bien ça fait de l'abrasion sur la drisse. Et bien, au bout de quoi, 3 ans, 4 ans, ben il faut la changer, ou sinon la retourner si on veut faire un peu d'économie, on la switch. Mais bon, c'est toujours que j'ai trouvé ce système vraiment intéressant. Je verrai bien à la longue, hein. Donc on a tombé les deux et là on va commencer à faire les repères pour les trous. Donc sur ce modèle, ils sont légèrement plus espacé, donc c'est du diamètre 8, les mêmes vis que les derniers, mais on va bien, je vais devoir espacer de 1 cm grosso modo pour pouvoir les fixer. Voilà, donc voilà, j'ai procédé aux trous, donc ils sont bien différents. Ouais, il y a plus d'un centimètre même, hein, 1,5 cm je dirais. Donc là, je vais mettre du silicone, du polymère, pour boucher tous ces trous. Et après, tout autour ici également, je vais mettre du polymère, comme ça, pour faire une étanchéité parfaite. Allez! Voilà, taquet coinceur, fini. Donc il y en a deux. J'ai mis les étiquettes correspondant à chaque drisse, et comme j'en avais en plus, du coup j'en ai mis également là, premier riz, deuxième riz, troisième riz. Voilà, très content.